avait 6 ans, il nous disait qu'il ferait ce métier-là. Je crois qu'au début, on est un petit peu obligé d'être inconscient. Mais il faut se rendre compte très très vite que si on veut durer, il fallait beaucoup de techniques et surtout ne pas se blesser. J'ai la chance d'être polyvalent parce que j'ai toujours travaillé ça. En tant que chorégraphe, je peux me permettre aujourd'hui de faire tout style d'art, une scène très violente, très réaliste ou encore très imagée. J'ai chorégraphié des films comme Wasabi, Taxi 2, Transporteur 2 où j'ai chorégraphié quelques séquences comme Hitman. Ma carrière en tant qu'acteur débute réellement dans le cinéma à partir du Baiser mortel du dragon. Aux États-Unis, quand ils font partir une voiture à 100 km/h et qu'éclate un hélico au-dessus de toi et que c'est fait en live, c'est vrai qu'on vit quelque chose de privilégié. C'est vrai que j'ai jamais trop été sujet au vertige. Je pense que ça multiplie ma concentration. Quand tu prends feu, ça paraît une éternité et tu as quand même le temps de voir les choses. La volonté de vouloir aller vite, je l'ai eue par rapport au cinéma et vouloir aller aussi vite que. Sauf que j'ai appris bien plus tard qu'il filme à 22 images secondes et forcément c'était accéléré. Allez, allez. Pour moi, c'est le plus beau métier du monde, c'est le 7e art. C'est de la magie et j'espère le faire le plus longtemps possible.